Alors, dans ce tour, deux choses sont importantes. Les faces des cartes, qui sont quatre as, l'as de pique, l'as de carreau, l'as de trèfle et l'as de cœur, mais également le dos des cartes. Alors, si je secoue magiquement le jeu, un des as va se retourner. C'est l'as de pique, qui a un dos de quelle couleur? Bleu. Si je secoue magiquement les cartes, l'as de pique va revenir dans sa position initiale. Et c'est quel as qui s'est retourné? L'as de cœur, qui a un dos de couleur bleu. Si je secoue magiquement le jeu, un autre as va se retourner. Cette fois-ci, c'est Carreau. l'as de carreau, qui a un dos de quelle couleur? Bleu. Et si je secoue une dernière fois le jeu, c'est quel as qui s'est retourné? L'as de trèfle, qui a un dos de quelle couleur? Bleu. Qui a un dos de couleur bleue. Ok? Si je mets cette carte dans ma poche et que je secoue magiquement le jeu, l'as de trèfle est revenu parmi les quatre as. Avec un dos de quelle couleur? Oui, sauf qu'ici, le dos, il est devenu rouge. Vous vous souvenez des autres cartes? Elles avaient un dos de quelle couleur? Bleu également. Elles se sont toutes retournées. Maintenant, si je passe magiquement la carte à dos rouge, tous les autres as sont devenus rouges.